Bonjour, Guten Tag, Shadrach. Bonjour. Tu veux qu'on continue l'interview comment? En français ou en allemand? Plutôt en français, ce En sera français. plus simple pour Voilà. toi, moi. D'accord. Déjà, comment te sens-tu? Bien. Physiquement, je reviens de mieux en mieux. Je pense j'ai une petite coupure par rapport au début de la saison et je me sens de mieux en mieux là. On va évoquer plusieurs points, notamment le fait, en fait que tu étais révélé en fait à Sion, au FC Sion. Et tu es passé donc par Stuttgart. Donc Stuttgart qui est, on va dire, comparé à Sion, un club un peu plus important en termes d'envergure et en termes de grandeur. Et je voulais poser la question de savoir comment passer en fait d'un club qui a un stade, on va dire, de 14 000 places à un autre club qui a plus de 60 000 places avec énormément de supporters. Très honnêtement, au départ, c'était un petit peu impressionnant. Je pense que les seules fois où je voyais plus de monde à Sion, c'était quand il y avait la finale de la Coupe Suisse. Et là, moi, quand je suis arrivé à Stuttgart, mon premier match amical, il y en avait au moins 20 000 personnes. Et c'était assez impressionnant. Mais après, on s'y adapte très vite. D'accord. Et en termes d'intégration, comment tu as pu t'intégrer à Stuttgart? Bien, j'ai eu la barre de la langue quand je viens d'arriver. Et j'ai eu la chance aussi de marquer très très vite et ça m'a facilité mon intégration. Après, on avait un bon groupe avec des joueurs d'expérience qui m'ont aussi beaucoup beaucoup aidé et ça a été plus simple pour l'intégration. D'accord. Comme tu as évoqué le barrière de la langue, comment tu as fait en fait pour pouvoir être à l'aise avec la langue? Tu as commencé à apprendre l'allemand à partir de la Suisse ou tu as commencé à directement en fait Non, pas du tout. ouais. Après, j'avais un petit peu de base d'anglais. Et c'est ce qui m'a un petit peu aidé quand je suis arrivé en Suisse. Et après, j'ai dû faire très vite les cours d'allemand. Et petit à petit, j'ai dû, on va dire, moins de peine à pouvoir m'exprimer avec mes coéquipiers. Et selon toi, est-ce que c'est important lorsqu'on arrive dans un nouveau pays de pouvoir apprendre la langue du pays où, comme certains joueurs, on peut voir qu'ils ne parlent pas forcément la langue du pays où ils jouent? Est-ce que c'est important pour toi de parler cette langue? C'est très très important, je trouve, pour moi, ouais. Parce que comme ça, tu es en communication directe. Moi, quand je viens d'arriver, j'avais un traducteur et les messages, ils passent pas directement droit à ce que ton entraîneur il dit. Et pour moi, je trouve que connaître la langue, c'est une bonne chose. Ouais. Et le traducteur, est-ce qu'il était là aussi pendant les entraînements? Les traducteurs, il est tout le temps avec nous. Il est sur le terrain, il est au vestiaire, il était tout le temps avec nous. J'étais avec Benjamin. Pavard, c'est on était les deux à pas parler allemand au début, on va dire. Et ouais, on a toujours eu un traducteur avec nous. Et au niveau du style de vie, est-ce que tu as changé certains aspects dans ton style de vie? J'essaie. Je pense que je suis un jeune joueur. Je dois aussi beaucoup apprendre de ce milieu sportif et aujourd'hui je sais ce qui est bien et ce qui est pas bien pour moi donc j'essaie de faire le maximum pour améliorer mes performances sur les terrains. À Sion on va dire, pour revenir à Sion, on va dire c'était pas la même chose et quand je suis arrivé à Stuttgart il y a eu des grosses grosses charges de travail et voilà il fallait faire des trucs supplémentaires à côté aussi. Et je pense que ça a été ça, les plus gros changements entre la première division suisse et la Bundesliga. Ta première année à Stuttgart, c'est 22 apparitions et 5 buts. La deuxième année où tu vas moins jouer, c'était dû à quoi? Parce qu'il y avait un changement de coach au plein milieu de l'année. Est-ce que c'était pas aussi un aspect qui avait favorisé le fait de ne pas jouer ou éventuellement les blessures aussi qui avaient aussi provoqué Après cela? aujourd'hui c'est le foot. Je pense que le foot en Allemagne c'est aussi un petit peu plus politique, on va dire. Et voilà, l'entraîneur qui me voulait, le directeur sportif qui me voulait, bah ils étaient plus. Donc aujourd'hui c'est les choses qui arrivent au foot. Après il y a eu des changements et quand il y a des changements forcément faut changer des choses. Et voilà, nous on doit l'accepter dans tous les cas parce qu'on n'a pas d'autre choix et c'est une des raisons auxquelles j'ai beaucoup moins joué après. C'est un des moments les plus, on va dire, les plus compliqués de ma carrière. Mais après, j'ai eu la chance
de toujours être en contact avec, avec ma famille, avec l'ex-sélectionneur aussi, Bengué, avec qui on parlait très très souvent de ma situation. Et il m'a toujours donné son avis, il m'a toujours dit ce que lui il en pensait. Ça a été difficile et je pense que ça va me servir pour plus tard cette année-là. Continuellement, en fait, vous êtes en discussion avec le coach Ibengué, en échange avec le coach Ibengué sur ta Sur ma situation au situation. club. Donc, il vous apportait des conseils. Il vous disait quoi, par exemple? Bah, parce que j'ai une relation avec les coachs, parce que je les connais, on va dire, je les connais depuis un bon moment. Et après, il m'a toujours donné son avis, comme j'ai dit. Après, il savait la situation, il sait aussi un petit peu comment je suis. Donc, voilà, il me disait d'essayer de rester le plus calme possible et de travailler, même si les moments où j'étais difficile. Je me rappelle, il m'a téléphoné pour savoir ce que j'allais faire, je crois, en janvier, ou je ne sais plus, en été où je devais partir. Et je lui ai expliqué que je voulais rester. Il m'a dit qu'il était d'accord avec moi et il pense que j'avais la place, que j'ai la place dans cette ligue-là, parce qu'il croit en moi. Et voilà, il m'a dit de rester, d'essayer de m'accrocher. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Après, quand ça vient aussi d'un sélectionneur, c'est plus motivant que si ça venait de quelqu'un lambda. Et que retiens-tu de ton passage à Stuttgart, que ce soit sportivement et humainement parlant? Humainement parlant, vu que je suis quelqu'un qui marche beaucoup sur l'affection, je regarde des très très bons souvenirs. Et après, sportivement parlant, bah, ça s'est beaucoup moins passé, surtout les dernières années, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. En vue de la situation du club aussi, il faut le dire. Mine de rien, Stuttgart, c'est un des très grands clubs en Allemagne. Et voilà, la situation, elle plaisait à personne, que ce soit dans le club ou dans la ville. Et ça s'est très très vite ressenti, donc il fallait du changement, et il y a eu du changement. Et malheureusement, on n'a pas pu sauver la saison. Et voilà, ça sera peut-être ma plus grosse déception à Stuttgart. D'accord. Et durant cette période, en fait, avec qui tu avais plus d'affinité dans le vestiaire, par exemple? Benjamin, vu qu'il parle français, il m'a beaucoup aidé sur ces moments difficiles aussi. Parce que lui, il sort de quelque chose de très très fort avec la France, il gagne la Coupe du Monde. Et voilà, il m'a beaucoup aidé sur cette période-là. Et avec lui, il y avait aussi mon traducteur qui travaille dans le club aussi. Donc, on essaie un peu de se resserrer tous les coudes comme on peut en vue de la situation. Et concernant, parce que récemment il y a un jeune joueur qui a signé, un Congolais, qui a signé en fait à Stuttgart, Silas Wamangituka, est-ce qu'il a, il t'a contacté en fait pour pouvoir avoir des informations, des conseils par rapport à la ville de Stuttgart? Non, je ne le connais pas personnellement. Après, je regarde les matchs de Stuttgart et je suis encore en contact avec beaucoup de gens là-bas. Ils me parlent bien de lui. Et je sais que c'est les styles des joueurs que Stuttgart a besoin dans ce club-là. Bah, en parlant congolais, Aurel Mangala, ça t'évoque quoi? Bah, Aurel, c'est mon petit frère. C'est comme un petit frère, on va dire. J'ai passé pratiquement tout mon temps, que ce soit sur ou en dehors du terrain, avec lui, vu qu'on habitait, à l'époque, on habitait seul, chacun habitait tout seul, donc on était pratiquement tout le temps ensemble, à jouer sur des jeux vidéo, à aller manger des restaurants. Donc, Aurel, c'est un frère pour moi. Est-ce qu'ensemble vous évoquiez la sélection, le Congo, Kinshasa, qu'est-ce qu'il en pense lui? Oui, on évoque. Après, très honnêtement, Aurel, il est très jeune. Je pense aujourd'hui, il a besoin de ce temps de réflexion-là. Je l'ai toujours dit qu'en sélection, bah, on a besoin de lui. On a besoin de lui en sélection. Après, lui, il en fait ce qu'il veut. C'est un jeune joueur, il a encore la possibilité soit de jouer avec la Belgique ou le Congo. Et c'est ça, c'est. Les choix, ils doivent venir que de lui-même et de personne d'autre. Et en parlant par exemple de Benjamin Pavard, lorsque tu as vu qu'il a gagné la Coupe du Monde, pour toi en tant que coéquipier, ça te fait quoi en fait d'avoir un champion du monde dans son équipe? Bah, hormis le fait que ce soit un champion du monde, en fait, moi, c'est vraiment aussi un ami avec qui je passais tout mon temps. Et les plus impressionnants, en fait, c'était
les changements de l'avant et l'après-Coupe du Monde, c'est ça que je trouve assez impressionnant. Et c'est très bien parce que ça me prouve aussi que dans le foot, ça va très très vite. Et voilà, j'avais des frissons pour lui parce que je savais ses ambitions avant la Coupe du Monde. Et il a largement dépassé ses ambitions les ambitions qu'il avait avant la Coupe du Monde et ce qui s'est passé par après. C'est quelque chose qui. C'est vraiment une fierté. C'est une fierté, que ce soit pour nous aussi, parce que nous, on l'a connu depuis très très longtemps. Donc voilà, chapeau à lui, à ce qu'il fait et à ce qu'il continue à faire aujourd'hui. Et toi, en voyant ça, quelles sont tes ambitions avec que ce soit la sélection et dans ta carrière de footballeur? Bah, en voyant ça, je me dis que ça va vite. Ça va vite. Et après, avec la sélection, bah, ce qui me revient à la tête directement, c'est d'essayer de faire quelque chose de très grand pour son pays. Essayer de faire quelque chose de très grand pour son pays, ça serait gagner la CAN, ça serait se qualifier pour une Coupe du Monde déjà. Ça, c'est ce qui me revenait à la tête directement. Et déjà, pourquoi toi, tu as choisi le Congo et non la Suisse, par exemple? Pourquoi le Congo, pas la Suisse? Parce que moi, j'ai toujours été congolais. J'ai eu des contacts avec la sélection suisse, mais sans plus, ça ne change pas que j'ai pas eu de nationalité, j'ai rien du tout. Donc c'était des contacts plutôt, on va dire, pas très 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 rapprochés. Mais voilà, après moi, j'ai toujours été attaché avec la sélection du Congo, j'ai suivi tous les matchs, j'ai été au stade quand j'étais à mes 15 ans, j'ai regardé, je connais pratiquement tous les joueurs de la sélection et pour moi c'était évident. En parlant de la première sélection, ça s'est passé comment le premier jour de la sélection? Et c'était contre qui? Les premiers jours de la sélection, c'était contre la Tunisie. Tunisie, on avait rassemblé au Maroc, je me rappelle. Et ouais, non, c'est quelque chose de spécial pour moi de faire partie enfin de ma sélection nationale. Quels sont les souvenirs que tu gardes du coup de ce premier jour de sélection? Les impressions, est-ce que tu t'attendais à ça ou enfin, quelles sont tes impressions à Je ce niveau-là? m'attendais pas à ça parce que dans tous les groupes, c'est un petit peu, on va dire, parfois un petit peu difficile. Et quand tu vas dans un groupe, bah, tu t'attends pas que les choses soient faciles. Et j'ai été plus impressionné en fait par l'accueil et par la simplicité des joueurs d'expérience, on va dire, ceux qui ont toujours été là depuis longtemps. Enfin, même si c'est leur travail un peu dans le cadre, mais j'ai été très très impressionné par l'accueil surtout. Et l'ambiance, c'est comment? Parce que c'est ce que les Congolais veulent savoir en termes d'ambiance, parce que en fait, nous, de l'extérieur, on voit qu'il y a une bonne ambiance, on voit que, voilà, il y a une vraie complicité, mais d'un joueur, comment tu peux, toi, décrire l'ambiance de manière interne? Il y a une super ambiance de manière interne. Après, moi, personnellement, ce qui m'importe, ce n'est pas l'ambiance interne. Si on peut faire des résultats à l'extérieur, moi, ça me va très, très bien. Et toujours en parlant d'ambiance, lorsque tu as eu ton bizutage, t'as dansé sur quelle chanson? C'était un son de Fabregas. C'est un frère que j'apprends à connaître, que j'étais avec lui à Kinshasa dernièrement. Et je me rappelle plus de la chanson. D'accord. Et en termes d'affinité, est-ce que tu as des affinités particulières avec des joueurs en sélection ou vraiment tu t'entends bien avec tout le monde, enfin... Je m'entends très très bien avec tout le monde. Après, je suis plus souvent avec, on va dire, avec Anthony, moi aussi, parce qu'Anto, je le connais depuis le moins de 21, quand j'étais à Sion, où j'avais joué contre lui. À l'époque, il jouait Étoile Carouge, je pense. Et ouais, c'est avec lui que j'ai plus d'infinité. On va dire les Suisses, que ce soit Anthony ou Joël, c'est des gens avec qui je fréquentais un petit peu plus souvent. Donc tu as eu ta première sélection. Et suite à ta première sélection, tu as participé donc au préliminaire pour la qualification pour la Coupe du Monde. Et récemment, donc tu as participé aussi à ta première Coupe d'Afrique. Cette compétition, elle t'évoque quoi? C'est quelque chose de grand pour moi déjà parce que je sors d'une saison très très compliquée. Au-delà du fait que je sors d'une saison compliquée, j'ai toujours eu le soutien, on va dire, du sélectionneur. Et
Et très honnêtement, j'y pensais pas. J'y pensais pas participer parce que j'avais pas été appelé dans les deux matchs amicaux, mais j'ai toujours eu des explications et j'ai toujours eu une très très bonne relation avec les coachs. Donc très honnêtement, c'était pas dans mes projets. J'étais plutôt en train de prévoir mes vacances, on va dire. Même si j'étais très très déçu déjà de la saison et du fait de ne pas être sur le terrain, donc je ne pensais pas forcément participer. Et l'effet d'y participer pour moi, c'est quelque chose de très très grand et c'est une très très grosse expérience. Et au début de la compétition, vous en tant que joueur, c'était quoi votre objectif? C'était la finale, c'était la demi-finale ou vous prenez les matchs après match lors de la CAN? En tant qu'objectif, on savait nos qualités et très honnêtement, on s'est fixé pas, on visait pas la finale tout de suite d'entrée, donc on voulait déjà bien commencer, bien entamer les championnats, parce que bien entamer le championnat, ça t'amène à pouvoir un petit peu prolonger plus tard pour ce qui va se passer. Donc c'était plutôt sur nos débuts qu'on était fixé, mais malheureusement, elle n'avait pas été reçue, mais on a fait mieux match après match. Ça a été un petit peu mieux contre l'Égypte et ça a été beaucoup mieux contre le Zimbabwe. Donc, ça aurait été bien si on avait fait le schéma inverse. Qui sait, peut-être que ça nous aurait mieux relancé dans la compétition. Donc, après, on a pu se rattraper, mais voilà, notre objectif, c'était vraiment de prendre match après match pour savoir ce qui allait se passer. Comment tu juges ta CAN, toi, personnellement? Pas mal. Pas mal pour quelqu'un qui pensait pas y être du tout, du tout. Et pas mal parce que c'est aussi ma première CAN. Et après, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Moi, si je dois juger ma CAN, je dirais plutôt correct. Après, pour l'ensemble, je pense qu'on peut faire mieux aussi par rapport à ça. Et voilà, sur cet aspect-là, je suis un petit peu déçu, mais voilà, je sais qu'avec le temps, on va corriger ces erreurs-là et ça va mieux se passer. Et il a manqué quoi en fait au Léopard pour, on va dire, faire mieux que ce qu'on a pu faire? Des petits détails qui font gagner des matchs. Et je pense que c'est ces détails-là qui nous ont manqué. Parce que dans une compétition comme ça, il faut faire attention à tout. C'est le très haut niveau et il faut tout prendre en compte. Donc une fois que tu manques les petites choses, les petits détails, bah, ça te fait perdre des matchs comme à Lou contre l'Ouganda. C'est ces petits détails-là qui nous ont manqué. Après une telle défaite ou une élimination, comment revenir en forme, enfin mentalement, comment être en forme mentalement pour réattaquer, que ce soit un championnat, une compétition? Comment toi tu fais pour te remettre au travail sans pour autant rester affecté par ce qui s'est passé? Bon, on est des professionnels, je pense. On peut pas. Il se passe beaucoup de trucs entre deux et la déception, on doit mettre des côtés. On doit déjà retourner dans les clubs, essayer de faire des bonnes performances pour revenir en sélection et essayer d'échanger ce qui a été fait dans le passé, parce qu'on a toujours cette chance-là dans le foot de pouvoir se rattraper un petit peu, on va dire. Et en tant que joueur, c'est ce qu'il faut faire plutôt. Donc récemment, il y a un nouveau staff qui est arrivé en fait au niveau des Léopards. Qu'attends-tu toi au niveau de ce staff en fait? C'est aussi des professionnels, ils feront attention à ces petits détails-là qui nous manquaient pour pouvoir gagner des matchs. Et c'est ce que je souhaite en tout cas au nouveau staff et à la sélection nationale. D'accord. Pour parler maintenant de Amiens, ton nouveau club, qu'est-ce qui t'a attiré à Amiens? Est-ce que c'est le fait d'avoir, par exemple, Konaté qui joue avec toi au FC Sion, Kakuta qui était évoqué lors du mercato? C'est quoi qui t'a attiré en fait dans ce club? Ce qui m'a attiré, c'est très honnêtement, c'est aussi par rapport au temps de jeu. Vu que j'en sors d'une saison difficile, ben, un joueur de mon âge a plutôt envie de jouer et d'enchaîner de matchs. Et les projets du club et le fait que je suis aussi Gaël, il allait revenir. Et ça m'a vite tenté. J'ai pas hésité du tout pour venir. Le fait aussi que
Amiens, c'est un club qui joue le ballon, voilà, qui joue pas la défensive, mais joue le ballon. Est-ce que c'était aussi un aspect qui t'a C'est un poussé aspect qui m'a le plus poussé parce que j'ai eu une très longue discussion avec le coach. Il m'a expliqué les plans de jeu. Les plans de jeu, c'est l'effet que c'est un club qui joue au ballon, qui joue aussi en première division. On aura la chance de jouer contre les gros du championnat. Donc c'est quelque chose vraiment qui m'a tenté. C'est surtout l'aspect du jeu, surtout l'aspect du jeu et les temps du jeu aussi qui m'a tenté. Parce qu'encore une fois, je pense à mon âge, j'ai besoin d'enchaîner des matchs et je pense qu'Amiens, c'était une bonne adresse pour ça. Et dis-moi, Chadrak, entre la Ligue 1 française et la Bundesliga, la différence pour toi? Pour moi, je dirais que c'est deux championnats différents. Il y a un petit peu plus d'intensité, on va dire, plus de folie en Bundesliga. La Ligue 1, c'est plutôt un championnat. C'est un championnat différent où c'est un petit peu tactique. Un petit peu de tactique et du physique aussi. C'est un mélange de deux qui fait la Ligue 1, d'après moi. Donc l'intensité elle est plus intense au niveau de la Bundesliga. Elle est légèrement plus intense. Ouais. Et au niveau de la Ligue 1, est-ce qu'il y a des joueurs en particulier avec contre qui tu aimerais jouer en Ligue 1? Les gros, je pense, ça fait toujours rêver de jouer contre les grands joueurs du Paris Saint-Germain, par exemple, ou de Marseille. C'est surtout ça. L'effet d'affronter les grands joueurs, c'est quelque chose qui m'a toujours donné très très envie. Et c'est quoi tes objectifs pour cette saison avec Amiens, personnellement? Bah, mes objectifs, c'est très clairement essayer d'enchaîner des matchs parce que c'est ce qui m'a manqué la saison passée. Et voilà, si possible, d'obtenir déjà un maintien le plus vite possible pour après essayer de, qui sait, essayer de faire quelque chose de très très bien pour la saison. Sur le terrain, je voudrais savoir, est-ce que avec Kakuta, il vous arrive de parler Lingala pour Je essayer parle de. Lingala. C'est grâce à moi qu'il améliore son Lingala. Parce que je fais que de lui parler en Lingala. D'accord, donc lors des matchs, vous êtes en train de parler On Lingala ou parle même en très très dehors, souvent en Lingala, en que ce soit au Lingala pour. vestiaire ou on parle plus souvent en Lingala qu'en français. Parce que Lukaku et Bolasie aussi, ils avaient évoqué aussi cet aspect que lors des matchs, en fait, ils parlaient Lingala pour essayer de C'est ne plus pas se faire simple comme comprendre. ça, les gens ils savent pas. Ils savent pas ce qu'on dit. D'accord, donc grâce à toi, là, Kakuta est en train Il de. améliore son. Vous pouvez Son lui Lingala. faire un interview en Lingala bientôt. Il va se débrouiller pas mal. Et maintenant, on va passer à Shadrack, hein, au dehors du football. Quand tu es à Kinshasa, par exemple, lorsque tu vas à Kinshasa, c'est quoi tes activités? Qu'est-ce que tu fais à Kinshasa? Bah, les dernières fois quand j'ai été, c'était pour ma fondation. Et c'était un projet qui me tenait à cœur depuis très très longtemps. Donc après, j'ai jamais eu vraiment des vrais temps libres, hormis le fait que je pars en sélection pour pouvoir faire ce que je peux. Et là, les seules fois où je suis parti, c'était pour ma fondation, pour les lancer. Je pense que les prochaines fois, je vais refaire la même chose dès que j'aurai un petit peu du temps pour finaliser mes projets de fondation surtout. Peux-tu nous en dire plus sur ta fondation? Ma fondation, elle est basée sur l'éducation. Elle est basée sur l'éducation. Aujourd'hui, on a un staff, on essaye de préparer nos projets pour le futur. Et plus tard, très très prochainement, pardon, quand je vais à Kin, on aura la chance de faire une conférence de presse pour mieux expliquer ce qu'il en est dans la fondation. Quand tu étais jeune, tu étais rentré au Stade des Martyrs, tu étais parti regarder quel match? J'avais été voir Vita Club, je crois que c'était contre Dragon à l'époque. Et moi j'habitais à Lemba, je pensais un bon bout pour arriver jusqu'au Stade des Martyrs. Et avec des potes, on s'organisait pour aller à pied jusqu'au Stade des Martyrs. Et ouais, c'était la première fois que je suis rentré au Stade des Martyrs. J'étais très très jeune, j'ai dû avoir 14 ans, 14-13 ans pour aller voir un match. Et c'était quoi tes impressions de voir un derby Imana contre Vita? Bah, c'était déjà. Les stades étaient très très grands. J'avais jamais vu quelque chose d'aussi grand. Et voilà, c'est vraiment impressionnant d'aller voir un tel match. Parce que moi, je suis un fan de Vita Club depuis, on va dire, depuis tout petit. Et pour moi,
c'était quelque chose de waouh, quoi, pour aller voir ton club dans ce grand stade de Martyrs. Et lors de ce derby, c'est quel joueur qui t'a impressionné? À l'époque, je pense qu'il devait avoir Lofoukongeli. Lui, il était impressionnant. Ouais, il y avait lui qui m'impressionnait beaucoup à cette époque-là. D'accord, c'était pas Room par exemple, parce que vu que lui C'était aussi. Room, mais Room, j'ai pas eu la chance de voir. Je dis les joueurs qui m'a impressionné, celui que j'ai pu voir, c'était Lofo Room. J'ai pas eu la chance d'aller voir un match de lui. Sur le plan du jeu, tu te disais quoi en fait en regardant ce match? C'était du beau football, c'était impressionnant, c'était spectaculaire. Moi, j'étais dans les étoiles. Quand t'es jeune, tu penses même pas à ce qui se passe dans le jeu, tu fais même pas attention à ça. Tu regardes juste autour de toi et tu regardes les joueurs, tu regardes les stats. Je pense que les matchs étaient très mal finis, je pense. On a dû se faire gazer à la fin du match. Et le match, il n'a pas pu terminer. Mais c'était une très très belle expérience à vivre. Et quand tu es revenu en tant que joueur de la sélection, mettre les pieds, on va dire, sur la pelouse, ça t'a fait quoi en fait? Bah, j'ai repensé à tout ce qui est. À tous mes souvenirs d'enfance. Et il y a même mes amis qui m'ont écrit, enfin, qui m'ont dit qu'enfin, toi, tu fais aussi partie de ces joueurs-là. Et c'est quelque chose d'impressionnant parce que nous, en fait, quand on était petits, quand il y avait des matchs d'équipe nationale, on se mettait tous dehors sur un écran et on regardait un écran. Donc, c'est ce que je me dis aussi quand je joue. Enfin, si les gens, ils sont posés devant, ils regardent l'écran comme nous. On regardait à l'époque. Après, une fois que tu es à l'intérieur, je sais pas, j'aimerais une fois être à l'intérieur et à l'extérieur pour vivre ces moments-là. Parce que nous, peut-être que parfois, on prend pas en compte les nombres de gens qui nous regardent et qui attendent des résultats de l'équipe nationale. Et ton quotidien, c'est quoi, par exemple, au-delà des entraînements, dans la vie, en fait, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Dans la vie, ce que j'aime bien, je passe beaucoup de temps au téléphone avec ma mère, ma petite sœur. Parfois, je joue à FIFA, il y a un nouveau jeu qui vient de sortir, il est un petit peu compliqué, j'essaie de le comprendre. Et entre deux, je regarde des films sur Netflix, ou parfois, je vais manger avec Gaël, ou parfois, je vais jouer à la Play chez Moussa, c'est un petit peu ce que je fais de mon temps libre. D'accord, donc vous voyez souvent avec Gaël ici dans la ville d'Amiens. On se voit souvent. Après, on évite, on essaie de pas se voir tous les jours, sinon ça va être très très long. Si je les vois déjà dehors du terrain, au club et je les vois en sélection, je vais m'en lasser. On essaie de doser un peu, faire les justes milieux. Merci beaucoup, Chadrak, pour ce moment. Merci beaucoup, merci à vous en tout cas. Merci.